qu'est-ce que le premier-né? Il dit, le premier-né, c'est ma force. Le premier-né, c'est quoi? C'est ma force. C'est la prémisse de ma vigueur. Le premier-né, c'est qui? C'est celui qui doit être supérieur en dignité et supérieur en puissance. Donc, quand tu es dans une famille, le premier-né n'est pas supérieur en dignité. Il n'est pas supérieur en puissance. Pourtant, c'est lui la force de la famille. Et tu vois, dans beaucoup de familles, ils trouvent ça normal. Non, mais Dieu dit que l'état du premier-né révèle la fonctionnabilité de la gloire dans la famille. Donc maintenant, si tu entres quelque part et tu découvres que le premier-né, tu vois, il ne vaut rien. Mais comme le parent a d'autres enfants qui travaillent, il dit, ah, c'est comme ça, la vie est comme ça. Oh. Amen. La vie est comme ça. Amen. L'un réussit, l'autre ne réussit pas. Amen. Ce que tu viens de laisser arriver dans ta maison, tu risques de commencer à ne plus comprendre ce qui se passe avec le foyer des autres, la santé des autres, la gloire financière des autres, et bientôt avec tes petits-fils. Parce que de quelque manière que tous ces hôtels parviennent à capturer le premier-né, ça veut dire que ta famille leur a fait leur offrande. Ils peuvent continuer à travailler. Malgré que tu es en Christ, vous voulez accéder à de très hauts niveaux de puissance, donnez vos premiers-nés. Toutes vos prémices. Pour neutraliser l'opération de certaines puissances familiales dans une famille, il faut seulement restaurer le premier-né. J'ai dit toute la gloire que nous avons en tant que nés de nouveau, c'est la gloire du premier-né. Son nom, c'est Jésus-Christ. Imaginez donc une famille où la gloire de l'aîné a été volée. Et la famille croit que non, non, tout va bien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a tout. Les problèmes sont intacts. Qui a bloqué ce premier-né? L'esprit qui est parvenu à venir dans une maison de chrétiens, attaquer, bloquer le premier-né, a maintenu son alliance vivante dans la maison. Je viens au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ta famille. J'entre dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. La gloire du premier-né est libérée ce soir.